Oh là là, comment il neige, c'est hallucinant. Vous voulez voir comment il neige en Normandie? Et ça commence à tenir, hein? Sur les arbres, en tout cas. C'est des gros flocons, tout ça. Ah, ça y est, c'est pris. Ah, j'ai froid. Je suis hyper frileuse, en plus, c'est horrible. C'est joli. C'est joli, mais c'est dangereux. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les créations du mois précédent, je vais y arriver, excusez-moi, ça commence déjà, dis donc. Donc les créations du mois de janvier, les créations de la nouvelle année. Alors, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je vais essayer de faire vite. Pourtant j'avais énormément de choses à vous dire, mais on va, tant pis, je ferai pas de blabla. Je vais commencer direct avec les créations, hein. En plus j'ai oublié plein de choses. Je sais que je dois vous dire plein de choses, mais j'ai oublié encore plein de choses. Et pourtant je l'ai dit, faut que je le note. Faut que je les note, les choses à dire, parce qu'après je les oublie. Donc il y a des créations que j'avais réalisées au mois de décembre, mais que je vous avais pas montrées parce que je les avais réservées en swap à Manu. Donc si jamais vous voulez voir plus en détail, et ben, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi je vous mets quelques petites photos des créations que j'ai réalisées pour elle. Et dans ce petit lot là, il y en a deux que je vous ai fait en tuto aussi. Voilà, je lui ai demandé sa permission avant, je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait que je fasse des tutos sur les créations que je vais te donner dans le swap? Elle m'avait dit non, avec plaisir. Bon du coup, j'ai pas fait toutes les créations que je lui ai offertes, je les ai pas toutes faites en tuto, j'en ai fait que deux. C'est déjà bien quand même, non? Ce mois-ci, je vous ai fait énormément de tutos. Un truc de dingue. Je me suis dépassée moi-même, c'est un truc de fou quoi. En tout... Avec les tutos que je vous avais fait les mois d'avant, j'en suis à 11 au total. 11 tutos, en tout et pour tout. Là, je crois qu'il y en a combien? J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5 là? Ah, je pensais que j'en ai fait plus que ça. Non, je crois que... Bah, ouais, on va dire 5, je sais plus, mais il me semble... Ouais, je sais plus. Enfin bref, je vous ai fait 5 tutos, mais c'est pas des petits trucs classiques. C'est des tutos qui m'ont pris énormément de temps. Pourquoi je suis partie dans là-dedans quoi? Mais je suis folle. Ah ça m'a... Voilà. La caméra a bien chauffé, mais ça n'est pas pour autant que le son est revenu. Non. Tant pis, hein. On fera avec, hein. Bon bref, du coup je vais commencer avec la toute première création. J'essaie de les ranger dans l'ordre dans lequel je les ai faites du premier au dernier. Et le premier tuto que je vous ai fait, c'était au tout début janvier, celle-là que je l'ai faite. C'était une petite cordeuse. Vous voyez rien. Je sais que je m'obstine à vous les montrer, mais vous voyez rien. Non, vous voyez derrière après dans le close-up. Donc voilà, je me suis amusée à faire une petite cordeuse comme ça en tuto. Et puis bah voilà. Je suis pas spécialement satisfaite de celle-ci, mais j'ai voulu en fait faire trop de détails. Et trop de détails tue le détail. En fait, c'est ça le problème. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire une un peu plus simpliste. Un peu plus classique. Mais enfin bref, voilà une petite gorgeuse. La deuxième création que je vous ai fait en tuto aussi, la deuxième création que j'ai réalisée et que je vous ai fait en tuto, c'est Petit Boop. C'est toute mon enfance. J'étais même pas née quand elle a été créée. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois. Je sais qu'il y a eu une mode quand j'étais petite de Betty Boop. C'est pour ça que je la connais. Enfin bref, voilà, Betty Boop. Je me suis amusée à faire plein de mini petites fées et des petites sirènes. Je m'amuse à faire ça, je m'amuse. Voilà. Donc la toute première
Si je dis pas de bêtises, c'était cette petite sirène là sur un cabochon en verre que j'ai verni avec du vernis à ongles en dessous. Et j'ai rajouté des paillettes aussi. Oui, j'ai du vernis à ongles plus des paillettes. Et par-dessus, pas chez moi, une petite sirène toute rikiki. Et toujours mes petites fleurs lucides sur la chaîne qui s'est emmêlée, bien évidemment. Bah oui, tant qu'à faire. Donc ça, n'est pas en tuto. Hein. Attends, j'arrive pas à le démêler. Attends, j'arrive. Super. Ouais, c'est encore. Attends, mais c'est quoi cette connerie? Ah yeah. C'est bon, voilà. Bon, bref. Une petite sirène sur un cabochon en verre que j'ai vernis avec du vernis à ongles et des petites fleurs lucides. Voilà. Un support cabochon en gouvernail. Oui, un gouvernail, oui. Non? Oui? Oui? Attends. Oh, je vais pas bien. Au secours. Oui, non, c'est... Voilà, c'est un gouvernail. Une petite sirène sur un gouvernail. Et j'essayais de faire une... dans le fond, mais de toute façon, on la voit plus. Ça se voit quasiment pas. Un effet plage. Le sable et la mer derrière la sirène. Mais bon, ça ressort pas très bien, quoi. C'est tant mieux parce que je l'avais pas très bien fait. On voit surtout la sirène et c'est le principal. Voilà. Et ensuite, c'était deux petites fées. Donc la première, j'ai refait une porte féerique. Non, tu t'en mets pas encore. Non, c'est bon. Donc voilà, une toute petite fée sur sa porte féerique. Et toujours les petites fleurs lucides. Et donc la dernière création, la dernière petite fée minuscule, c'est ma petite chouchoute. Alors elle, je l'adore, mais un truc de dingue. Oh, c'est pareil, encore une fois, elle n'est pas parfaite, hein, mais qu'est-ce que j'adore celle-là. Bah, en fait, j'adore cet univers. Donc c'est une petite fée dans un style amérindien, en fait. Donc elle est dans... Elle est, normalement, elle est toute nacrée. Et j'ai mis du pernex bleu et bronze. Donc voilà, elle a plein de petites plumes sur elle, il y en a une en extension sur la trappe rêve. Et ses ailes sont en fimo liquide, comme ça, ça ne craint rien du tout, je suis sûre que ça ne cassera pas. Si tout mou, tout souple, tout fin, tout mignon. Celle-là, franchement, je vous jure que c'est ma préférée. Pourtant, je le dis encore une fois, c'est pas parfait, hein, mais celle-là, je l'adore. C'est très rare quand j'aime ce que je fais, alors c'est très très rare. Mais alors, hey, franchement, non, je le kiffe de trop. Ensuite, attends, j'hésite, je sais plus si c'est celle-là ou celle-là que j'ai fait. Laquelle j'ai fait en premier? Enfin, en suivant. Je crois que c'était celui-là. Il me semble que c'était celui-là.
C'est un petit attrape-rêve sur le thème nature, avec plein de feuilles et des branchages. Donc voilà, il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits détails. Alors voilà, je l'adore aussi, tu vois, elle est vraiment très jolie. C'est ce que j'aime, quoi, c'est la nature, la verdure, donc forcément j'adore, quoi. Avec trois petites extensions bas. J'adore. Donc la création d'après, c'est encore une petite fée qui s'est... Non, elle n'est pas endormie. Elle se repose. Elle est accoudée sur une petite rose. Voilà. Donc avec toujours plein de petites perles et des petites pampilles en bas. En bas, voilà. Il y a plein de fleurs lucides et des petites perles... facettées. À facettes. Oui, des perles à facettes. Voilà, tout simplement. C'est mes perles préférées. J'adore les perles à facettes et les perles lucides. Donc j'ai mis tout ce que j'aimais. Sauf le rose que je n'aime pas. Il en faut pour tous les goûts. Faut pas que je m'arrête à mon style à moi. Il faut que j'en fasse pour tout le monde. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Une petite fée. Bah c'est pareil. Elle est toute nacrée aussi. Hein. C'est nacré et noir. Blanc et noir en fait. Sur une petite rose rose et puis des petites fleurs lucides roses et des perles roses et puis blanches aussi pour aller avec sa robe et tout le tralala. Voilà. Et elle est posée sur une petite estampe argentée. Ensuite, il me semble que celle-là, je l'avais faite avant la petite fée. Je suis pas sûre. Je sais plus. Donc j'ai refait, encore une fois, un petit dragon. Sur un camé et sur un connecteur. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça, mais je l'ai collé sur le camé, c'est un cadenas. Enfin non, une serrure. Et le dragon tient une petite clé dans sa gueule. Voilà, et ces ailes sont pareilles, sont en fibre liquide, comme ça je sais que ça craint rien et j'ai rajouté une tige en fer sur les ailes pour être sûr que ça casse pas quoi. Et pour être sûr que ça reste droit. Donc voilà. Un petit dragon comme ça, tout en. Encore une fois du rose. Putain, j'ai fait beaucoup de rose là. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Oh, c'est court. Et j'avais mis des petites fleurs lucides roses, mais je me dis merde, fleurs lucides plus dragon, ça va pas ensemble, ça s'associe pas bien quoi. J'ai eu l'impression d'avoir dissocié ça. Non, faudrait que je change les fleurs lucides parce que je trouve que ça fait trop. Ça va pas ensemble quoi. Oui? Non. Dites-moi. Non. Non, faut que je change ça, faut que je mette d'autres perles. Classique. Bah, j'aurais bien voulu des perles bronzes pour aller avec la chaîne, mais j'ai pas de perles bronzes. Faut que je me trouve ça, tiens. Des petites perles bronzes. Mais ouais, ça peut faire sympa. Mais il faudrait que j'en trouve de ça. J'ai des perles marron, mais c'est marron transparent. C'est pas drôle, quoi. Moi, je veux des vraies perles bronzes opaques. Ouais, cherchez-vous. Je raconte ma vie encore une fois, c'est pas possible. Faut que je me calme. Oh bah, ouais, voilà. Le petit dragon.
suivant. Alors lui, j'ai cru que j'allais me fracasser le crâne contre les murs, mais aïe. Oh, un casse-tête chinois à faire. Je ne sais pas, je voulais faire un tuto, mais le tuto dure au moins 6 heures, si ce n'est plus. J'ai pas calculé. Donc à mon avis, c'est plutôt en speed modeling. Donc j'ai fait le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Plus jamais, hein, plus jamais je le ferai celui-là. Ah non, j'ai fait un tuto en plus, ça tombe très bien parce que plus jamais je le referai. Oh purée, une casse-tête chinois à faire. Les animaux, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, à faire en polymère. Les animaux, c'est vraiment un truc de... Waouh. Enfin bref, voilà, il est loin d'être parfait, hein, parce que pour moi, il ressemble pas vraiment à un lapin, je trouve. Hein. De profil, ça va encore. Non, de face, moi je trouve pas. Je le reconnais parce qu'il a des grandes oreilles, mais sinon... Alors je sais que normalement c'est des roses blanches tachetées de rouge qu'il faut mettre dans le thème Alice au pays des merveilles. Mais moi je voulais les mettre roses par rapport à ses oreilles qui sont teintes en rose et puis sa truffe aussi qui teinte en rose. Je voulais faire le rappel rose rose. Encore du rose. Au secours. Enfin bref, voilà le lapin de Alice. Je préfère le préciser parce que je crois qu'on reconnaîtrait pas sinon. Et le lapin de rose, et voilà, alors là c'est tout de rose vêtu, hein, il n'y a pas photo. Et bah j'ai réalisé en tuto, mais c'est pareil, ça va être en speed modeling parce que j'ai mis je sais pas combien de temps à la faire. C'est Mademoiselle Poppy dans le dessin animé Les Trolls. Alors je la trouve trop grande, donc du coup je vais être obligée de la... Putain la frayeur. Heureusement que je tenais la chaise. J'ai eu peur, au secours. Ouais, alors attends, je sais même plus ce que j'utilisais du coup. Ouais, je recommence. Hein. C'est pas grave, vous avez l'habitude, hein, je me répète souvent. Donc j'ai réalisé Poppy en tuto, mais je la trouve trop grande, donc je voudrais la refaire mais en plus petite. Je vous referai pas le tuto, il y en a déjà un, c'est déjà bien, hein, je vais pas faire une deuxième fois. Et puis en plus de ça, ma fille veut. Elle veut Mademoiselle Poppy. Oh maman, tu peux me la donner s'il te plaît? Bah attends que je refasse une deuxième et puis je te la donnerai. Je sais pas ce qu'elle va en faire, mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà, je vous ai réalisé en tuto Mademoiselle Poppy. Mais en bijoux, je trouve que ça fait trop grand, quoi. Ça fait trop grand. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je trouve. Hein. Et après, je me suis dit, oui, en porte-clés, ça peut le faire, mais porte-clés, c'est fragile, quoi. Voilà, je préfère la réaliser plus petite, ça sera un peu plus costaud. Enfin, j'espère. De toute façon, enfin bref, voilà. Dans tous les cas, blablabla, blablabla. Voilà. Donc du coup là c'est les deux dernières créations que j'ai faites en même temps et que je vous ai fait aussi en tuto que vous allez voir la semaine prochaine ou vendredi, je sais pas. Là on est lundi, je vais essayer de pouvoir mettre la vidéo tout de suite là maintenant. Je vais essayer de faire ça vite fait sans être bâclée non plus. Donc je sais pas. J'en sais rien. On verra bien, c'est la surprise. Donc j'espère pouvoir vous poster ce tuto là vendredi ou samedi, j'en sais rien. Ou alors ce sera lundi. Je sais pas, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Putain, c'est impressionnant. Et c'est tout blanc là. Oh, oh purée. Oui, c'est tout blanc. Bref, oui. Alors, je voulais réaliser ce petit tuto là dans un style ethnique, géométrique et hyper facile. Mais un truc de dingue. Il y a vraiment pas plus compliqué. C'est vraiment super simple.
Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça au moment venu. Donc j'espère que j'aurai le temps de la faire vendredi, parce que là, je vous jure, en ce moment j'ai pas une minute à moi, c'est le gros bordel. J'ai réussi à trouver un peu de temps pour faire la vidéo, mais j'espère avoir le temps pour faire le montage vidéo, parce que le montage vidéo ça prend beaucoup de temps aussi, hein. Donc on va voir, on va essayer, on verra bien. Et puis bah voilà, de toute façon là j'en ai fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait au mois de janvier. Et puis bah voilà. Et puis c'est tout. Bah attends, et regardez comparé au début. Regarde-moi ça, la différence. C'est tout blanc. C'est tout tout blanc. Oh les trucs de dingue. Oui, donc là je crois que j'ai fait le tour, j'ai fini. J'avais des choses à vous dire mais je me souviens pas, donc tant pis, hein. C'est comme ça. Faudrait que j'arrive à faire une vidéo blabla. Enfin, j'en ai déjà fait une pour la... Je vais dire la Saint-Valentin. Pour la nouvelle année. Et ouais, faudrait que j'essaie de refaire une autre vidéo blabla, mais je sais pas encore quand. Juste quand j'aurai le temps et quand je me souviendrai de ce que j'ai à vous dire, surtout. Hein. J'en ai fini, ou j'arrête. T'arrêtes de blablater, tu te tais, ok? Bon. Bon bref, j'espère quand même que cette vidéo complètement vous aura plu. Hein. Si vous avez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si je peux, si j'ai les moyens de le faire, il n'y a pas de soucis, ça va se faire avec le plus grand des plaisirs. Parce qu'il faut pas que... faut pas oublier que YouTube est un monde de partage. On est là pour partager ses flops et ses flops, etc. etc. Et puis bah voilà. Donc si vous avez des créations en tête que vous aimeriez que j'essaye de faire en tuto, il n'y a pas de soucis, ça sera avec le plus grand des plaisirs, même si je suis très loin du tout. Spécialiste, je rate que des conneries depuis tout à l'heure, faut que je me calme. Allez, j'arrête avant de dire trop de... Je vous fais plein de gros bisous.